me fais un petit coucou. Bon, salut à tous. Donc là on est à Chalon. Donc sur une piste de sable à une petite heure de chez moi. Et on est venu roder la moto parce qu'on a eu quelques petits soucis à Lune Plage. Quand on est rentré, on a voulu checker le moteur parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas démonté. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de villes au niveau de l'allumage. Donc on a démonté tout le moteur, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments au niveau de la bielle et tout qui étaient abîmés. Donc là on a tout refait. Donc mon père a tout démonté, Nicolas Rondeau a tout peaufiné et on l'a remonté. Donc aujourd'hui c'était rodage et un peu de roulage pour voir comment ça craque et c'est plutôt de bon augure. Donc là on est sur une petite piste de sable comme je disais tout à l'heure. Qui a été imaginé par la famille Bétis sur le motoclub chalandais en Vendée. Et franchement c'est cool. C'est pas super grand, ils ont fait avec l'espace qu'ils avaient, mais bon ça permet de rouler. Là on a vu c'est inondé partout, c'est que de pleuvoir, mais ça permet de rouler. Les motos sont vraiment nickel, on n'abîme pas de matériel et ça c'est vraiment cool. Donc là petit roulage. J'ai investi aussi dans du matériel GoPro parce que j'ai eu des bons retours. J'ai eu des bons retours par rapport. On va laisser passer. Par rapport à la course de Lune. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire vivre un peu toutes ces courses, un peu d'entraînement. Toutes ces courses, un peu d'entraînement et vous faire partager ça avec moi. Donc le roulage sur la 500 est vraiment devenu une bonne passion et je me régale. On voit la piste, elle est ravagée, elle est bien démontée, elle était préparée et ça a roulé pas mal ce matin. Et il y a pas mal de monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes ouvertes. Et c'est top, franchement, on se la régale et ça permet de préparer un peu tout ça. Bon allez, on y va, on va se faire un petit roulage. On va s'appliquer sur le pilotage. On va faire attention là. On va s'amuser avec la piste parce que on le voit, il y a beaucoup de trous. Vraiment, ça pique à avoir les pieds sur les calcés. Faire attention de ne pas perdre l'avant. On va essayer de faire plus que je faisais tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est juste une question de timing. C'est facile à dire quand on le fait, mais il faut vraiment être précis dans le timing. Et plus vous êtes précis, plus les obstacles seront simples à prendre. Là, par exemple, on est bien sur la pointe des pieds. On regarde loin, puis les gars. On reste droit. Les petits coups de gaz bien placés au bon endroit. Ça me fait peur parce que j'ai souvent peur de rentrer dans les retardataires ou ça. On en avait parlé le week-end de la course à Lune. J'avais une petite idée sympa. Je vais mettre en commentaire. Je vais poser quelques petites questions. Et moi, je vais vous répondre pendant
pendant la course. Je prendrais, je pense, les questions les plus pertinentes. Je prendrai le temps d'y répondre. Bon, la moto elle craque vraiment fort. Un moteur NR, un pot MDR et des suspensions Gobi. On a vraiment le pack complet pour performer sur un 500 CR. Donc évidemment, si vous êtes intéressé pour faire préparer vos motos, contactez toutes ces entreprises là et ils prendront soin de faire nécessaire pour vous aider de la meilleure des manières. Je vais essayer de mettre en place un système de code promo pour que vous puissiez bénéficier de meilleurs tarifs. Et ça devrait être cool. J'étais un peu gourmand sur le cabrage là-bas. On voit le père au fond là-bas qui regarde ça. Savoir si je fais pas de conneries. Bien faire attention. Entre d'autres pilotes, parce qu'eux aussi sont là pour ça. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde. En plus, on cohabite sur la piste. Il n'est pas forcément très large. Et tout le monde y met du sien. Voilà, quand le timing est bon, ça change tout. Regardez un peu l'avant là. J'ai réussi à ce que je disais à tout le reste du championnat parce que je faisais pas partie en bas. Mais ça c'est trop tard pour faire partie des 50 présélectionnés pour la saison. Bon allez, on va refaire un petit tour. Allez, on va faire un petit tour. Ah, changement de face. Là on s'est un peu emballé quand même. Ça paraît pas, mais
On peut le voir là, les trous, quand ils sont vraiment énormes. Les trous, plus les 500. Eh ben ça, j'en fais d'attendre. En plus là, on l'a vraiment, la moto a été vraiment bien retravaillée. Que ce soit au niveau du moteur, ben, tout ce qui est biel, la carburation, on a vraiment mis tout au point. Et c'est la régalade.